Moi, instinctivement, quand je mange pendant des périodes de quelques jours des protéines végétales et du poisson ou des fruits de mer, et que j'exclus la viande, ça m'arrive de temps en temps de le faire pendant une semaine par exemple, je sens au bout d'un moment que j'ai comme je suis aimanté par la côte de bœuf, quoi. Et il y a ce truc où ça m'appelle. Allez, on passe à la question, à la question, à la question, à la question, à la question de la part de Boy. Donc Boy me pose la question suivante. Salut Théo, quelle est ta consommation de légumes et de fruits par jour maintenant en grammage environ, s'il te plaît? Alors là, il y a trois questions sur les légumes. Donc la première, c'est ça. Donc salut Théo, quelle est ta consommation de légumes et de fruits par jour maintenant en grammage environ, s'il te plaît? Moi aujourd'hui en légumes, je vais te dire honnêtement, midi et soir, tu vois les sacs de entre 600 et 800 grammes de légumes surgelés que tu trouves partout bio et tout. Moi très souvent je fais ça quand il n'y a pas les légumes de saison que j'aime bien cuisiner. Alors souvent c'est de la courgette. Là en été, là quand on va arriver en été, j'aime beaucoup la courgette. Je mange pas mal. Qu'est-ce que je peux manger aussi? Des poivrons. Brocoli, haricots verts. Haricots verts, j'aime moins. Enfin, je trouve que c'est moins. Je trouve que c'est plus lourd à digérer que les autres végétaux. Brocoli, j'avais du mal maintenant. Je m'y suis bien habitué. Enfin, j'avais du mal au début comme beaucoup de personnes. Enfin, bon, bref, voilà. Et je consomme pas mal du bio surgelé. Enfin, regardez un petit peu l'histoire du surgelé. Beaucoup de personnes le considèrent comme des boîtes de conserve, comme des aliments transformés. Non, c'est faux. Le surgelé, dans la majeure partie des cas, en fait, ça a été congelé au moment du pic de production, donc en pleine saison. Donc on se retrouve à avoir des choses évidemment congelées sous forme de conserve, enfin conservées, mais qui ont été récoltées au moment et surgelées au moment du pic de production, c'est-à-dire logiquement en pleine saison. Donc ça a quand même des avantages. Et ça n'est pas pareil que ce que vous trouvez en boîte et tout, où là il y a plein d'additifs. Je vous parle des légumes nature, quoi. Donc un sac d'entre 600 et 400 grammes, ça me fait une journée. Donc à peu près 300-400 grammes le midi, 300-400 grammes le soir. Et le truc, c'est que j'en consomme aussi le matin, contrairement à beaucoup de personnes. Moi, le matin, je peux manger de la salade, de la tomate, des endives. Qu'est-ce que je peux mettre encore comme... Non, c'est à peu près les légumes que je consomme, ouais. Tomate, salade, endives. Donc, ça rajoute un petit peu. Bon, ça pèse pas lourd. Des épinards, si voilà, je peux mettre des épinards aussi. Donc, voilà. Après, fruits, c'est très variable. Les fruits, j'en ai... fin du printemps, début de l'été, j'aime bien en consommer. Salade de fruits et tout. Durant l'hiver, je suis pas fruit d'hiver, moi. Je suis pas, mandarine, clémentine, orange, enfin, tous ces trucs-là, c'est pas mon truc. En fait, je pense que, enfin, je pense. Je commence à en être de plus en plus convaincu, mais j'en ai pas la certitude. Donc, voilà, c'est peut-être un ressenti personnel. Mais je trouve qu'à après un certain nombre d'années passées à manger sainement, manger sainement, attention, manger sainement, donc je vais développer un peu ça, de se priver de sucre rapide au quotidien, donc de boissons, de soda, de sucreries, de gâteaux, de pain, enfin tous ces trucs-là, tous les aliments transformés et tout, donc tout ce que vous pouvez acheter sous forme de barquettes à cuisiner, trucs à cuisson rapide, tous ces trucs-là, les produits de boulangerie et tout, type gâteau, et enfin bon, bref. Quand on se passe de ça, enfin moi personnellement, quand je me suis passé de ça pendant longtemps, donc voilà, on arrive à instinctivement, en fait, étant donné qu'on l'a pas on n'a pas dans nos placards des aliments comme ça, instinctivement on ressent des envies, par exemple sucrées, et en fait on sent que ce sucre-là, ben, si on le veut, ça va être dans le fruit. Ben oui, parce que s'il n'y a pas de gâteau à la maison et qu'il n'y a que des fruits, enfin, et donc du coup, je trouve que les instincts liés aux habitudes, aux bonnes habitudes alimentaires, c'est cohérent. Et c'est là où, en fait, quand il y a eu des bouquins et des vidéos qui disent arrêtez les régimes, il faut faire les trucs instinctifs. Instinctif, oui et non, parce que instinctif pour une personne qui mange mal, moi, typiquement, je vais prendre mon cas, quand il y a des années, il y a 15 ans, j'étais en surpoids et tout, tu m'aurais dit si je me retrouvais dans une situation où j'avais envie de sucre, instinctivement, j'ai envie de sucre.
Ben, j'ouvre mes frigos, les produits sucrés qu'il va y avoir, ça va être des yaourts aux fruits, ça va être de la danette, ça va être, enfin bon, voilà, du Nutella. Bon, j'avais pas souvent du Nutella, mais ça va être des trucs, j'étais pas trop sucré. Bon, c'est un mauvais exemple, mais vous comprenez l'idée. Où j'ai envie, je ressens un besoin de salé, ça va être des pâtes carbo, des chips, des trucs comme ça. Donc j'ai suivi mes instincts, j'avais envie de sel, j'ai mangé du sel. Oui, mais ça marche pas en fait, parce que vu que t'as pas l'éducation nécessaire, enfin la bonne éducation nutritionnelle, tu te tournes vers des choses. Donc le truc instinctif, c'est bien quand c'est couplé à de la connaissance et à des habitudes déjà acquises. Et là, on peut commencer à écouter ses instincts. J'en parlais la dernière fois dans une consultation avec quelqu'un, que moi, instinctivement, quand je mange pendant des périodes de quelques jours des protéines végétales et du poisson ou des fruits de mer, et que j'exclus la viande, ça m'arrive de temps en temps de le faire pendant une semaine par exemple, je sens au bout d'un moment que j'ai comme, je suis aimanté par la côte de bœuf, quoi. Il y a ce truc où ça m'appelle, j'ai pas envie d'un burger, j'ai pas envie d'une pizza, donc d'un truc très riche et tout, j'ai envie, je sens, j'ai envie de manger la viande avec son gras. Je sais pas comment l'expliquer, je sais que certaines personnes, ça leur fait la même chose, hein. Et même des non-sportifs qui mangent, qui savent un petit peu manger sainement. Bref, donc ça c'est pour la première partie de ma réponse. Donc je mange au moins 800 grammes à peu près de. Compte à peu près entre 600 et 800 grammes de légumes par jour. Et des fruits qu'en été. Et très peu, hein, ça va être les fruits, franchement, ça va être des fruits rouges au petit-déj. Et après peut-être une pomme dans la journée de temps en temps. Et c'est pas régulier. C'est pas, tu vois, c'est pas cyclique, quoi. Enfin, c'est pas quotidien, pardon. Et après, donc, je continue sur les légumes. Super sur le végétarisme. Je pense que c'est ce que tu voulais dire parce que tu as mis un K à la place du le, du L, quoi. Pourrais-tu alerter sur les dangers du végétalisme pour la santé? Enfin, j'espère ne pas avoir besoin d'alerter. Il y a des gens pour qui ça fonctionne, hein, le végétalisme. Donc, végétalien, végétalisme. Imaginez, en fait, vous ne mangez rien de ce qui vient du domaine animal, en partant de la côte de bœuf jusqu'au miel, tout ce qui peut provenir d'un animal, de près, de loin, etc., les œufs et tout, on oublie tout, hein. Alors végétalien, normalement, c'est ça. Je ne parle pas des véganes, des véganes qui ont, ça va au-delà de la nutrition, ça va, c'est sur les vêtements, c'est sur tout un tas de choses, mais végétalien, logiquement, c'est que sur la diète. Bon bref, donc vous ne touchez à rien qui vit, même pas de lait, que dalle. Que des végétaux, quoi, en gros. Enfin, que des produits végétaux et pas forcément que végétaux. Vous pouvez manger des produits chimiques fabriqués par des industries, mais où il n'y a pas de produits qui contiennent de la viande, hein, ou de la viande ou des produits animaux. Bon, les risques, un des premiers risques, entre guillemets, j'aime pas dire enfin, les risques, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, hein. Moi, je suis pas là pour vous dire, faut pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, ce qui est avéré, entre guillemets, c'est que déjà, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a dans ces protéines animales qu'on a du mal ou qu'on ne retrouve pas dans la protéine végétale ou dans les aliments ou dans les végétaux. Voilà, pas parler que de protéines. Ben, ça va être déjà le collagène. Collagène, oui, il y en a qui vont me dire, du collagène végétal. Ouais, non, mais le collagène provenant de la viande, par exemple, qui sert à la structure des tendons, de la peau, enfin de tout un tas de choses dans l'organisme, celui-là est beaucoup plus présent. Je ne vais pas dire que dans la viande, parce que c'est pas réellement dans la viande, c'est dans la structure, par exemple les os, les cartilages et tout ça. Et forcément, si vous n'en mangez pas de bouillon et tout, vous n'en aurez pas. Après, il y a également la créatine qui pour le cerveau hyper importante. Alors, je ne dis pas de vous supplémenter en créatine, hein, mais ne serait-ce que d'avoir de la protéine animale, ça vous apporte un petit peu plus de créatine. Bon, ça déjà, c'est les deux choses. Dites-vous bien, on est dans un contexte sportif, hein. Je ne vous parle pas de monsieur, madame, tout le monde qui fait la seule balade qu'il fait, c'est sortir le chien le matin, le midi, le soir. Je vous parle de quelqu'un qui s'entraîne avec des haltères, enfin des haltères ou son poids de corps, n'importe, mais qui met son corps. Hein, un petit peu en contrainte. Il y a des carences comme ça qui peuvent se créer, mais également au niveau des acides aminés, donc de l'apport en acides aminés, les protéines, si vous préférez. Il y en a qui vont dire, ouais, moi je cumule plein de sources et j'arrive à la même chose. Non, on n'arrivera jamais à la même chose. C'est aujourd'hui la connaissance qu'on a en termes d'acides aminés et tout. On se dit, ouais, il y en a là, il y en a dans l'animal, dans le végétal, il suffit de bricoler avec certains végétaux qu'on additionne et c'est bon. Non, non. Non, c'est déjà d'une, on ne sait pas tout ce qu'il y a dans la viande et dans les végétaux. Et en plus de ça, on a beau essayer de bricoler pour essayer d'anaboliser à fond avec des végétaux, ça ne marche pas aussi bien que l'animal. Donc il faut juste en avoir conscience. Après, si on veut le faire,
parce que c'est, on veut, on, enfin, ce sont des principes qu'on a par rapport aux animaux. On est peut-être, enfin, les personnes qui le font sont certainement beaucoup plus sensibles que moi, et ils ont plus envie enfin, voilà, de manger de produits animaux. Et ben voilà, chapeau à elles. Moi, j'en suis pas capable aujourd'hui. Tant mieux pour elles si elles en sont capables. Moi, c'est pas mon cas. Et bon, c'est peut-être plus elles qu'il faudrait admirer entre guillemets dans le sens au niveau éthique. Moi, personnellement, c'est pas mon cas. Alors, en tout cas, je ne serais pas capable, notamment pour des questions de. Je sens physiologiquement que je suis pas adapté pour ça. Mais j'aimerais continuer aussi sur autre chose, c'est que j'ai eu en consultation il y a quelques temps une personne qui a testé par lui-même, il m'a dit j'ai testé, j'ai voulu faire du 100% végétal pendant un certain temps, il a perdu énormément de poids. Mais quand je vous dis énormément de poids, c'est qu'il est descendu très bas, et ce n'était pas son souhait de descendre très bas. Il est descendu très bas, il a eu des problèmes au niveau de la libido, il a eu des problèmes au niveau de sa virilité, entre guillemets, imaginez, sa virilité sous toutes ses formes, sexualité, etc. Il a eu quand même des soucis par rapport à ça. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde, ça va arriver à tout le monde. Ça veut dire que ça peut arriver et qu'on n'en sait rien, en fait. Moi, personnellement, je sais fondamentalement que si je suis en full végétal pendant une semaine, mon corps, et je commence à connaître quelques trucs en nutrition, donc je sais essayer de bricoler avec des choses, de cumuler et tout, par exemple du pois chiche avec d'autres sources de protéines végétales et tout, pour essayer de me bricoler des repas plus ou moins complets. Si je tire fort sur la machine, à faire des squats lourds, du coucher lourd, des soulevés de terre lourds et tout, je sens que j'ai une forme de récupération qui n'est pas bonne, mon poids descend, mais c'est pas du gras qui part, donc. Moi personnellement, alors j'ai une hypothèse et j'aimerais bien en avoir la réponse, enfin la réponse un jour qu'on trouve la réponse claire là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'incohérences sur enfin pas le végétalisme, mais sur, parce qu'il y a beaucoup de personnes des athlètes qui vous montrent, regarde, je suis végétarien, je performe et tout, et puis d'un autre côté, il y a les autres qui disent, moi je mange de la viande et ils vous racontent des conneries. Enfin bon, voilà, il y a une espèce de compétition, et en fait ça, on peut pas continuer à faire ça. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Et moi, mon hypothèse, c'est personnel, je suis presque convaincu qu'au niveau du microbiote, certaines personnes ont la capacité de bien tirer ce qu'ils consomment, enfin de bien tirer tous les nutriments, les micronutriments des végétaux, et d'autres moins. Donc ça, c'est la première hypothèse. Donc ça veut dire que si moi j'ai un microbiote qui tolère, enfin qui arrive mal à récupérer ce qui est contenu dans les végétaux, ben je vais m'amoindrir en fait. C'est-à-dire que j'aurais beau manger beaucoup de végétaux et bien cumuler, en fait ce qui va ressortir sera trop riche par rapport à ce que j'aurais dû en retenir. Et à l'inverse, des personnes qui vont réussir à tirer au maximum, un peu, ils auraient peut-être je sais pas, enfin non, ils auraient un microbiote en tout cas beaucoup plus adapté. Et donc là, certaines personnes vont me dire, oui, mais le microbiote, Théo, tu sais que si on s'expose progressivement et sur un certain nombre de temps, on peut le changer. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais bon, quel est le laps de temps pour le changer? Déjà, première chose, est-ce qu'un athlète a le temps d'attendre 3, 4, 5, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans pour refaire un microbiote complètement? J'en sais rien et je connais même pas la durée et je pense que je suis pas le seul à pas le connaître. Je reçois le journal du microbiote je crois que c'est tous les 2 mois. J'ai pas vu de données là-dessus encore, donc pourtant je surveille. Mais je pense aussi qu'il y a quelque chose qui est lié à la durée de la vie, c'est-à-dire que si quelqu'un se décide du jour au lendemain à 40 ans de se mettre au végétalisme, ça sera pas la même chose qu'une personne qui s'y met, je vais pas dire enfant parce que les enfants faut pas y toucher, mais on va dire vers 18 ans. Le temps de vie passé, un peu comme quelqu'un qui se met au sport jeune, ça peut l'orienter un peu physiquement et au niveau de ses muscles, de ses types de fibres musculaires et tout pour le restant de sa vie. Je pense qu'il y a un lien aussi avec ça. Et bon, Delavier dirait aussi par rapport au climat, là où il se trouve, hein, bon bref, tout ça, l'évolution est tutti quanti. Donc, c'est très compliqué. Aujourd'hui, moi personnellement, je n'ai pas rencontré de personne, je n'ai pas rencontré, c'est-à-dire que je n'ai pas discuté de vive voix, de tête à tête avec quelqu'un qui a démarré full végétal, donc sans viande, œufs, lait, tout ça, qui s'est musclé. Avec un corps fitness, bien fitness, hein, pas juste un peu tracé, je vous parle un corps où il y a quand même un peu de masse musculaire. Je n'en ai pas fréquenté, j'en ai parlé avec aucun. Donc il y en a plein sur Internet, mais moi personnellement, ceux qu'il y a sur Internet, enfin, des fois quand on regarde, ils n'ont pas commencé comme ça et puis ils se sont mis après. Je ne sais pas. Donc je ne peux pas te dire qu'il y a des dangers, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on sait, comme sur par exemple le collagène, la créatine. Il y en a aussi qui te parlent de la vitamine B12.
Ben donc, il y en a, ils vont dire, oui, ben, tu prends ces suppléments et ça va. Moi, je suis pas convaincu. Je pense que la viande apporte quand même certaines choses que tu retrouves pas forcément dans les végétaux et vice-versa. Hein. Une personne qui ferait le régime qui était à la mode il y a quelque temps aux États-Unis, je sais pas si c'est encore le cas, le régime carnivore où on est full viande. De toute façon, les régimes pure exclusion, tout en étant long terme, je trouve pas ça intéressant. Par exemple, la diète cétogène exclut les glucides, mais une diète cétogène n'est pas une diète de toute une vie. Une diète cétogène, à mon sens, dans le monde du fitness, c'est une diète où on a envie de vite couper les graisses, et les graisses corporelles, hein, je ne parle pas les graisses de la diète, et on a envie, dans un laps de temps assez court, de perdre du gras, donc on est prêt à sacrifier peut-être aussi un peu de muscle. De toute façon, c'est un petit peu le point commun de tous les régimes, hein, ceux qui vous disent qu'on prend du muscle au régime, c'est quand même bizarre. Mais bon, bref, on a ce truc-là. Mais c'est pas une diète de toute une vie. On sait très bien, on va pas aller jusqu'à l'os, quoi. À un moment donné, on mange un petit peu plus de manière cohérente. Donc, toutes les diètes d'exclusion long terme, j'ai du mal. Ça n'est que mon point de vue. Et il y a de très bons athlètes. Moi, je serais plus, tu vois, dans le côté végétarien. Ceux qui consomment encore des œufs, des produits laitiers, bon, du miel, il n'y a pas beaucoup de protéines dans le miel, mais je veux dire les produits, les sous-produits animaux, je crois qu'on appelle ça comme ça. Déjà là, on bricole mieux, quoi, pour se faire une diète. Mais après, puis après, il y a le côté. Alors, et voilà, l'autre question qu'il y avait, c'était celle-là. Ça fait. Bon, je pense que c'était Nilis Monti qui devait répondre à la question du dessus, qui dit. Parce que la première question, c'était pourrais-tu alerter sur les dangers pour la santé? Et en dessous, il dit, ça fait 5 ans que je suis végane et je ne suis toujours pas mort. Et bilan de santé au top, quels sont les dangers? Point d'interrogation. Bon, il ne pose pas la question à moi, je pense qu'il répond aux commentaires du dessus. Parce que, enfin, moi, j'en sais rien, tant mieux pour toi si tu es encore en vie et que ton bilan de santé va bien. Donc voilà, là, on a la preuve de quelqu'un qui y arrive. Mais, encore une fois, il y a un truc, je ne sais pas ce que j'ai dans l'œil, mais il y a un truc qui me paraît. Entre guillemets fou. Bon, là, vous voyez bien qu'il y a quelqu'un qui y arrive très bien. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des gens qui y arrivent très bien. Ils se sentent bien. Après, on ne les connaît pas, on ne les voit pas. Mais il y a des gens quand même qui témoignent que ça leur réussit. Et le risque, en fait, c'est un peu comme toute forme de régime. Je vous parlais du régime cétogène tout à l'heure. Il y a des gens qui vont se mettre au régime cétogène. Ça ne va pas du tout leur convenir. Notamment les personnes qui métabolisent super bien les glucides et qui, pour eux, s'en priver, ils sont tout de suite, mais dans un état pitoyable. Alors qu'il y a d'autres personnes, ils peuvent couper les glucides pendant 5 jours d'affilée. Ils se sentent mieux qu'avant. Mieux qu'avant. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent mieux, ils se sentent plus éveillés, ils congestionnent mieux à l'entraînement et tout. Et il y en a qui vont dire, mais comment tu peux expliquer qu'avec moins de glucides, tu congestionnes mieux? Bon, ça, par exemple, moi, je peux en témoigner. Je me sentais super bien, sans manger de glucides, pendant une semaine, j'avais de la force, je progressais, enfin, j'étais super bien. Pourtant, j'avais pas de glucides. Je faisais faire la même diète à d'autres personnes, c'était impossible, ils n'y arrivaient pas. Bon, après, j'ai quand même commencé à comprendre qu'il y avait un certain lien entre toutes les personnes grassouillettes, comme j'ai pu être par le passé, mode de vie sédentaire et tout, qui avaient tendance à quand même bien réagir, à couper les glucides. Et ceux qui réagissaient mal, c'était plus ceux qui étaient frêles d'origine, donc plutôt minces, maigres, et qui, quand ils partent en vacances, typiquement, ils perdent du poids, alors que nous, on va plutôt prendre du poids quand on part en vacances. Voilà, il y a un petit peu le truc, quoi. Mais aussi, par rapport à tout ce qui est végétal et tout, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a. Les gens confondent plusieurs choses. Pour la consommation de viande, donc ce monsieur, la dernière question, donc Nilis Monti, lui, il est vegan. Donc vegan, lui, il a adopté un style de vie. Le mot vegan, comme je disais, c'est un style de vie qui va au-delà de la nutrition. Donc il y a la cause animale, il y a, enfin voilà, ça va au-delà de ça. Et il y a des personnes qui, je parle pas de lui, hein, mais il y a des personnes qui vont élargir leur réflexion avec, par exemple, la planète. Donc, ils vont dire, moi, j'arrête de manger de la viande parce que c'est pas bon pour l'écologie, c'est pas bon pour tout ça. Ouais, très bien. Moi, je suis d'accord avec ça. De toute façon, ça a été prouvé. Hein. La forte production de barbac et tout ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour zut, pour la qualité de l'air et tout ça. Enfin bon, ouais, pour l'écologie. Et donc, mais ils oublient que dans le règne végétal, c'est pareil. Des personnes qui mangent des avocats tous les jours, des avocats, donc végétales, des avocats tous les jours. 1 kilo d'avocat a besoin d'1 tonne d'eau. Donc, au niveau de l'écologie, mais bon,
Là, déjà, d'une, ça n'est plus du tout mes compétences. Je suis nul en écologie. C'est juste que, voilà, je vois passer des données comme tout le monde. Je suis nul, hein, je vous le dis honnêtement. Mais c'est juste que tout le végétal n'est pas bon. C'est-à-dire que végétal, on ne sauve pas la planète avec du végétal. Et le végétal qu'on voit sur Instagram à base de avocat à tous les repas, hey, regardez bien l'avocat, ce que ça fait aussi. Alors, évidemment, un avocat, c'est peut-être pas vivant comme une vache, je suis d'accord. Donc là, on revient dans le côté éthique, animale, la cause animale et tout. Mais au niveau écologie, il faut bien se renseigner sur les choses. Évidemment, la viande, elle est bien plus consommée que. Donc, c'est un cas majeur par rapport à l'avocat qui est moins consommé. Puis en plus, il y a des personnes qui n'aiment pas ça. La viande, on en retrouve partout, dans tous les plats préparés, dans tout un tas de choses, alors que l'avocat, pas souvent. Sauf si vous aimez bien manger des fajitas et du guacamole. Mais voilà, donc c'est juste pour vous dire que il y a des choses, il y a des données comme ça que les gens n'ont pas. Et il ne faut pas tout mélanger. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont. En fait, il y a deux choses qui se disent sur la viande aujourd'hui. C'est ça pollue et ça favorise le cancer colorectal chez les hommes. Bon, à cause du fer notamment, parce que le fer chez les hommes n'est pas éliminé, alors que chez les femmes, il est éliminé lors de leur règle, quoi. Alors, éliminé. Disons, il y a une espèce de période tampon, en fait, où les règles viennent tamponner un petit peu si le fer a tendance à trop monter. Ben, vu qu'elles saignent, hein, elles ont tendance à réguler un petit peu leur rapport en fer, alors que les hommes non. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils disent qu'il y a plus de problématiques de ce côté-là chez les hommes. Après, donc, il ne faut pas mélanger santé, environnement, tout ça. Vegan, c'est un style de vie respectable. Honnêtement, il faut avoir le courage quand même d'être vegan aujourd'hui. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas. Ce sont des personnes qui ont un courage que je n'ai pas. Donc, déjà, rien que pour ça, je les respecte. Pour plusieurs raisons, hein. Parce qu'ils arrivent à se passer d'un plaisir que moi j'ai, et je devrais m'en passer, j'ai pas envie, j'aime ça la viande. Et deuxième chose, je serais obligé de bricoler, d'être beaucoup plus constructif sur ma diète, tout en sachant que je sais que ça me réussit pas, que ça m'épuise, ça me fatigue en fait quand moi j'ai pas de protéines animales, et donc du coup de m'entraîner en mode dégradé, donc de pratiquer ma passion en mode dégradé. Donc pour ces raisons-là, moi enfin voilà, il y a des personnes qui sont prêtes à l'accepter parce que ça fonctionne pour elles. Évidemment, si ces personnes-là sont en mauvaise santé, si Nilis Monti me disait je suis vegan, je me sens super bien, mais je pèse 50 kilos tout mouillé pour 1,90 m, bon là je te dirais, t'as beau te sentir bien, t'es un peu light quoi. Enfin si tu fais de la muscu, hein, et puis même tu serais un peu light quand même, là, hein, tu serais vraiment même très light. Donc il faut, voilà, faut toujours faire attention à ça. Après, un vegan qui se sent très bien, ses analyses sont très bien, il performe en sport, il est plus fort que les autres, il n'a aucun problème de santé, tout va bien pour lui, tant mieux. C'est pas lui qui me posera une question de toute façon, puisqu'il est convaincu de son truc, il sait que ça marche. Moi, c'est les personnes qui doutent que je veux essayer d'orienter, pas les personnes qui doutent pas. Hein. Allez, on passe à la suite. Enfin, la suite, ça sera la semaine prochaine de toute façon. Donc, on parlera de Masbel et de Clubbel et de Kettlebell. Voilà, allez, à la semaine prochaine.